Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Ben oui, c'est juste pour nous. Puis tous ceux qui veulent nous rejoindre, et vous êtes bienvenus. On est une grande famille accueillante. Et vous n'allez pas le regretter, 2020 va être une belle aventure. On va explorer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avenues. On va s'intéresser à la spiritualité qui va être essentielle pour traverser les temps difficiles qui s'en viennent. Quand on parle de spiritualité, naturellement, on ne parle pas de religion, mais vous pouvez être adepte d'une religion, c'est pas dangereux, puis si ça fait votre affaire, tant mieux, mais moi je parle de spiritualité, il n'y a rien à voir avec la religion. C'est des connaissances anciennes aussi de nos civilisations passées, de ces gens-là qui connaissaient. L'important, c'est qu'il y avait la science de cette connexion, hein? De la spiritualité, de la prière, même la force de la prière. Notre cœur a une puissance incroyable, plus puissant, dégage plus d'énergie électromagnétique que le cerveau. Les électrocardiogrammes, les électroencéphalogrammes le prouvent. Le cœur peut même émettre des rayons magnétiques, l'énergie magnétique pouvant aller jusqu'à 5 à 6 mètres du corps. Vraiment fascinant, tout ça, on va aller voir ça. Les origines de la vie, hein? On veut vous faire avaler que toute cette origine de la vie est du hasard, hein, de la création suite à un Big Bang, et que vous êtes là totalement par hasard aussi, et que vous descendez du singe alors que la science démontre que notre ADN n'a rien à voir avec ces espèces de primates, et qu'on est là, et qu'on est arrivé, il y a quelque chose qui s'est passé, hein, les liens manquants, le missing link, plein de choses fascinantes. On va explorer ça, tout ça ensemble. Est-ce qu'on vit dans une matrice, un monde organisé par la divinité? On va explorer ça aussi. Et c'est vraiment très, très, très intéressant, je vous l'avoue, puis je vous le garantis. Pendant ce temps-là, il y a d'autres. Naturellement, on s'intéresse à tout ce qui nous attend, socialement, politiquement, économiquement, financièrement. Ça va être difficile. Préparez-vous, les changements vont être majeurs. Tout va s'automatiser, tout va se numériser. Il n'y a rien que tu pourras faire pour arrêter ça, mon ami. Il va falloir que tu t'adaptes, que tu arrêtes de chialer, que tu t'adaptes, parce que ceux qui ne s'adapteront pas seront ceux qui seront laissés pour compte. Les politiciens ne sont pas là pour vous aider, les systèmes ne sont pas là pour vous aider, les systèmes sont là pour vous exploiter et vous garder non préparés. Donc, c'est de notre responsabilité de s'occuper de tout ça, puis on s'attarde à ça aussi ici. On est une grande communauté qui grandit, hein? Déjà 65 000 abonnés, je vous remercie infiniment, en espérant qu'on atteigne ce chiffre de 100 000 et plus d'ici les prochains mois. Ce serait vraiment intéressant. Et franchement, beaucoup de participation des abonnés que je remercie aussi publiquement, qui nous envoient des liens, des messages extrêmement, extrêmement importants. Et essentiel, et toujours, toujours perspicace. Pendant ce temps-là, on remonte dans le temps, puis c'est une histoire qui remonte à 2008 ou 2009, où on avait observé dans le ciel, entre autres, de la Norvège, un phénomène vraiment, vraiment surprenant, spectaculaire. Une spirale bleue en rotation est soudainement apparue dans le ciel au-dessus de la Norvège et du Japon, déroutant les observateurs du ciel et les scientifiques. On s'intéresse aussi à la vie extraterrestre ici, aux phénomènes extraterrestres. Sommes-nous nous-mêmes les extraterrestres? Enfin, tout ça, ça nous fascine à Freedom News Network. Pour ceux qui sont nouveaux, c'est tous ces sujets-là qui sont touchés. Mais d'une façon différente, rationnelle aussi, et intelligente. On ne se prépare pas à avoir une invasion d'une nation extraterrestre avec une grosse soucoupe volante, avec des dirigeants qui se réunissent autour d'une table ronde. Non. Il y a déjà eu les contacts, ils sont déjà faits. Les extraterrestres ou les nations extraterrestres ont déjà pris leur contact avec les gens importants qu'ils ont déjà établis parce que ça leur sert à eux autres puis ça sert à nos dirigeants. Des fois, ça se demandait même s'il n'y a pas deux races, hein, ou même trois ou quatre, cinq races sur la Terre. J'ai trouvé un document fascinant là-dessus, je vais essayer de le retrouver, c'est vraiment fascinant. Quelqu'un qui allègue que le KGB même avait
un livre sur lequel j'avais mis la main sur des connaissances, hein. Déjà de toutes ces races qui existent, ces races extraterrestres, qui seraient même parmi nous. Nos dirigeants sont-ils de ces races différentes qui sont peut-être immortelles? Parce qu'on voit que c'est toujours le même pouvoir qui reste entre les mains du même monde au fil des millénaires. Enfin, toutes sortes de sujets fascinants. Une spirale bleue en rotation est soudainement apparue dans le ciel au-dessus de la Norvège et du Japon, déroutant les observateurs du ciel et les scientifiques. On peut voir la fameuse spirale rougeoyante et bleue au-dessus du ciel de la Norvège. Ça s'était vu aussi au Japon. Vraiment, vraiment très, très intriguant. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. On voit très bien le phénomène en question qui est filmé par ABC. Vraiment, vraiment quelque chose de spectaculaire. C'est mystérieux, c'est surprenant. Le phénomène étrange du ciel a commencé quand ce qui semblait être une lumière bleue a semblé planer derrière une montagne. Il s'est ensuite arrêté en l'air et a commencé à circuler. En quelques secondes, une spirale géante avait couvert tout le ciel, puis un faisceau de lumière vert bleu a jailli de son centre durant 10 à 12 minutes avant de disparaître complètement. L'origine du phénomène étrange du ciel au-dessus du Japon et de la Norvège n'est pas claire. L'Institut météorologique norvégien a été inondé d'appels téléphoniques pendant et juste après la tempête de lumière à l'époque. Selon les astronomes, cette spirale étrange n'était pas liée aux aurores boréales ou aux aurores en général si courantes dans cette région du monde. Comme le montre la vidéo ci-dessous, un phénomène similaire a été capturé dans le ciel du Japon le 25 septembre 1988. Donc, vous irez voir ces vidéos-là. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Ce n'est pas un phénomène météorologique. Est-ce peut-être un vaisseau spatial, selon l'homme? La même spirale tourbillante de lumière est réapparue au cours des 5 prochains jours. À cette époque, la plupart des gens pensaient que l'Union soviétique détruisait ses armes nucléaires. Le narrateur explique ensuite que cette cassette était tenue secrète depuis 20 ans et que cet étrange phénomène, à la fin de la guerre froide, lorsque l'Union soviétique était sur le point de s'effondrer, ainsi les gens ont d'abord soupçonné l'Union soviétique d'essayer de détruire leurs armes nucléaires, mais je le doute et préfère parler dans ce cas d'un portail vers une autre dimension ou vers une civilisation extraterrestre. Pendant ce temps, les origines de ces spirales norvégiennes et japonaises dans le ciel sont encore inexpliquées, mais cela ne me surprendrait pas beaucoup si Van Gogh avait été témoin d'un tel vortex en rotation avant de peindre son chef-d'œuvre « Nuit étoilée ». Qu'en penses-tu? Des spirales similaires dans le ciel sont peintes par Van Gogh sur son chef-d'œuvre « Nuit étoilée ». C'est vrai? Vraiment fascinant. Donc, une histoire intéressante qui nous est ramenée, hein, par Strange Sound, qui remonte à 2008 ou 2009 et 1988 dans le cas du Japon, avec un phénomène des plus étranges, encore inexpliqués.